Le plus angoissant quand on prépare une exposition, c'est de pas savoir ce qu'on va faire. J'ai fort heureusement pas eu ce problème-là. On commence à appeler ça une exposition quand on a deux dessins sur une même thématique claire. Mon but, c'était de dessiner des chansons, une course au traîneau ou une course aux fouettes. Tire-moi une fouette, puis lance-moi une fouette. Fouette-moi en tabarouette, puis lance-moi une fouette, puis tire-moi une fouette. Ça me dérange pas si ça fait mal en tabarouette. Tire-moi une fouette, puis lance-moi une fouette. Fouette-moi. Le rire de la course aux fouettes, c'est une chanson folklorique du Québec assez peu connue, mais mon autre dessin illustre un chant marin qu'on entend encore aujourd'hui dans certaines gargotes portuaires, puis je parle bien entendu de Pique la baleine, je veux naviguer longtemps. Et ça se chante à peu près comme suit. Pique la baleine, pique la baleine, pique la baleine, je veux naviguer longtemps pour retrouver un jour mes bouées. Oh, mes bouées, mes belles bouées sont peut-être rendues dans les mers du sud. Oh, mes belles bouées, pique la baleine, pique la baleine, pique la baleine, je veux naviguer longtemps. Quand la chasse à la baleine était encore une aventure, c'est ce qu'on chantait dans les chaloupes. C'est pas juste moi qui dis ça de même, c'est ce qui est écrit dans le livre dont je me suis servi pour certains détails du dessin. Parce que l'imagination pure, c'est pas mon fort, j'ai besoin d'images préexistantes sur lesquelles me baser. Par exemple, avec quelque chose comme des oiseaux, j'ai pas d'autre choix que de me fier à des images qui ont vécu, pour être sûr de bien placer les ailes. C'est un sujet d'une violence extraordinaire et révoltante. Je voulais ni trop en mettre, ni que ce soit trop Walt Disney. Puis pour ça, ben, je me suis vraiment basé sur la véritable histoire de cette chasse qui a opposé l'homme au plus gigantesque mammifère marin. Pour le dessin de la course aux fouettes, ça a été un peu moins compliqué. Je me suis simplement basé sur une peinture de Cornelius Krieghoff, peintre d'origine néerlandaise, surtout connue pour ses peintures de paysages canadiens, en modifiant certains détails pour rendre la scène complètement déjantée. Je pense que ça va rendre un bel hommage à Cornelius Krieghoff. C'est ça aussi, quand on prépare une exposition, ça prend une filiation avec les artistes du passé. Quand je suis rendu à l'étape du coloriage, j'ai l'impression de retomber en enfance, tu sais, là, les cahiers à colorier, on nous occupait avec ça. Sauf que là, c'est moi qui est responsable du tracé. Ça fait que je suis beaucoup plus respectueux des lignes que je l'étais à l'époque, quand j'étais un petit garçon. Mais une des choses qui n'a pas changé depuis mon enfance, c'est mon respect pour le sang. Quand je prends la couleur rouge pour en faire du sang, c'est autre chose, c'est lourd de sang si j'applique pas la couleur à la légère. Le sang de la baleine, ça m'attriste encore plus que si c'était mon sang à moi que je coloriais. J'aurais voulu pouvoir donner l'impression que la baleine dans mon dessin avait des chances de s'en sortir, mais je pense que c'est malheureusement pas le cas. Cette pauvre baleine-là va devenir de l'huile à margarine. Une chance que nos margarines modernes sont rendues végétales, même si ça fait pas des ben bons sujets pour des dessins, c'est mieux pour les baleines. Pour faire de l'eau qui soit un minimum réaliste, je recommande la couleur bleue, parce que l'eau, quand on la décompose au microscope ou quand on la regarde dans une vaste étendue, ben, c'est bleu. Et la dernière étape du dessin, c'est de retracer les lignes pour les durcir. À ce moment-là, il suffirait d'un faux mouvement pour tout gâcher. Si le crayon suit pas la ligne, ben, on déchire puis on recommence from scratch. Mais là, j'ai juste pas le temps d'être précis comme je le voudrais, étant donné que mon exposition approche à grands pas. Une fois que c'est terminé, je contemple ce que j'ai accompli, puis à ce qui me semble, c'est à peu près satisfaisant, mais j'ai pas vraiment le temps de l'apprécier, que je dois tout de suite m'atteler au deuxième dessin, même si mes yeux souffrent d'une fatigue chromatique et des sapins couleur lavande. Franchement, de quoi ça aurait eu de l'air? L'important avec ce dessin-là, c'est d'entendre le fouet claquer quand on le regarde. J'ai moins filmé le coloriage parce qu'il faut dire que de colorier de la neige, ça paraît même pas que je fais de quoi de toute manière. Les deux dessins mis côte à côte chantent leurs chansons respectives, ça crée une cacophonie qui devient presque mélodieuse pendant un instant, puis ça redevient immédiatement cacophonique la seconde d'après. C'est ça mon exposition. Ça essaye de vouloir dire quelque chose, mais pas vraiment en fin de compte. Plus de choix, je dois aller remettre les dessins à la galerie pour les faire encadrer, parce qu'avec un dessin d'exposition, le cadre est aussi important, sinon plus, que le dessin lui-même. Les feuilles de plastique transparentes sauront protéger les dessins en attendant la belle vitre qui les préservera pour le restant de l'éternité. Vous savez, les artistes, on rêve à la postérité, on dessine pas juste pour passer le temps, mais pour se graver dans le roc de l'histoire artistique. Il y a une chose qu'il faut surtout pas négliger, c'est de ranger les crayons de couleur après s'en être servi. C'est important de garder une bonne discipline d'atelier, de pas tout laisser traîner. Faut s'ordonner parce que déjà c'est étourdissant de se sentir invité par le chaos créateur à tout moment. Si en plus il fallait que les crayons soient plus trouvables quand on en a besoin, ce serait
atroce. J'ai moi-même souvent négligé cette facette-là du travail de création que le matériel doit être vénéré comme une sorte de demi-dieu. Les crayons de couleur peuvent durer très longtemps si on les entrepose bien. Quand vient le temps de poser les cadres dans la salle d'exposition, je laisse l'ouvrier de la galerie faire son travail. J'admire quand même son aisance, sa souplesse dans ses mouvements. Ça paraît que c'est pas la première fois qu'il pose un cadre. Rien qu'avec l'œil, c'est exactement à la bonne place sur le mur et bien au niveau. Je sais que les cadres qui sont un peu croches sont à la mode dans certaines galeries, mais moi je veux pas ça, en tout cas pas pour ma première exposition. Fait maintenant plaisir de vous présenter une petite entrevue réalisée avec le commissaire de l'exposition. Les cadres sont installés. Je suis très heureux, j'avais très hâte qu'ils soient installés. C'est mon mur de mes artistes de la famille, en tout cas les artistes de votre famille. Et puis, très content, ça fait longtemps que j'en voulais. J'aurais curieux de savoir qu'est-ce que les dessins évoquent pour toi. Le premier dessin, je t'en ai déjà parlé, la baleine. Mon père, il travaillait à travers le Québec, il bâtissait des routes et des ponts. Et j'ai passé un été à Rimouski avec lui, avec papa et maman. Et on avait vu une baleine échouer sur le bord du fleuve. Ça m'a marqué, je m'en souviens beaucoup. Ça me rappelle ça. Puis le deuxième tableau, ben comme on en jasait, ça ressemble un peu à ça avec les traîneaux rouges, les tableaux de Cornelius Krieghoff. Je pense aussi que ta tante Léonie avait ça, avait un Cornelius Krieghoff chez elle. Un petit extraordinaire que j'ai toujours admiré en montant l'escalier. Mais là maintenant, moi j'ai des thierry à bord. Ouais. C'est très important pour moi. Jeff Shackoff. Ouais. Ils ne sont pas signés, ça a l'air qu'il faut les signer, mais en arrière, j'ai écrit des choses. Je sais. Puis j'ai un Marie-Pierre Havard aussi. Ouais, alors, bon, ben. Merci infiniment. Je suis très heureuse. Et puis j'espère que les gens qui vont voir cette vidéo-là vont apprécier ces beaux tableaux-là. J'espère bien moi aussi. Donc, une autre cliente satisfaite. Je vais garder un souvenir impérissable de ma première exposition. J'ai la chance, en plus de ça, que ce soit une exposition permanente. Non, vraiment, je suis choyé.